c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là, tu me rombo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, oui, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Sont rivés sur toi les amis qui brillent tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma, 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 ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Loulou et Bouddha, Coco na Chanel, Coco na Chanel. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je la refais, parce que sans faire l'esprit, j'ai fait un truc que je ne sais même pas, ce que j'ai fait. On va recommencer la vidéo, donc je vous dis, on va présenter la famille qui habite dans la maison là, que j'ai fait à la bibliothèque. Donc ça sera celle-ci, cette famille. C'est juste une petite nouvelle, celle-là. Donc pour commencer, c'est le père Christophe, 19 ans, donc ils sont jeunes. La mère Christine, 19 ans. La petite fille Maëlys, 14 ans. Et 10 ans. Et la petite dernière. Après, je vais vous dire quand il est né. Quand ils sont nés. La petite dernière. Le petit dernier, pardon. Louis, qui a 10 mois. Donc, sa date de naissance est le 3 juillet 2004. Donc, sa date de naissance est le 3 juillet 1985. Elle, c'est le 4 juillet 1985. Elle, c'est le 2 septembre 2004. Et, ben, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc, c'est parti pour montrer la maison Playmobil. Donc, je vais vous les mettre dans un endroit et vous tout montrer. Donc, on va commencer par l'extérieur. Voilà, on va commencer par ça. On va enlever un peu la piscine pour que ce... J'arrive. Désolée, que je pousse tout, parce que sinon ça va pas y aller. Sinon ça va aller partout, ça va bouger, l'eau va bouger, vu que j'ai mis de l'eau dans la piscine. Ah, mais c'est tout. C'est tout, j'arrive. C'est un truc qui est tombé, je sais pas où là. Voilà, donc dans l'extérieur, c'est Putain, ça n'arrête pas de bouger, je vais voir. Oh, pardon. Ça n'arrête pas de bouger, donc ça n'arrête pas de bouger. Désolée pour l'attente, ça bouge, ça bouge, ça bouge, tout, tout. C'est le garage qui bouge. Du garage. Qui bouge. Je sais pas comment le remettre moi. Oh. Ça. Que je m'en prie, j'ai pas envie de remonter parce que je sais pas comment on remonte. J'ai jamais monté des trucs plus mobiles de maison. Ma mère est forte pour le dire. Pour les monter. J'arrive, hein, c'est le garage qui tombe là. Oh. Vous savez ce que c'est pour avoir la voiture. Ouh, je vais la voiture, elle n'est pas la caravane. Pardon, hein, pour ma tante. C'est le truc qui tombe là. Je sais pas. Donc là, on a le garage, donc là, il y a la voiture. Voilà, là vous avez des fenêtres, et là vous avez la porte, et là vous avez la fenêtre.
Voilà, et là vous avez des plantes. Jolies. Donc c'est parti. Donc la mère va nous montrer dedans. Donc c'est parti. Oh là là, c'est pas possible. Tout tombe. Et vous voyez, c'est énervant. Hop là. Je reviens tout de suite si j'ai bien un trou. On va mettre la piscine après. Je suis prêt parce que là il y a ma tablette, mais je ne sais pas qu'elle a tout mis. Dessus, sinon, ma famille. Et voici un autre que tu vas vous nous montrer, Christine. Donc, oui. Donc là, on a la cuisine. Donc là, c'est un petit. La cuisine, donc là on a un truc au centre avec un bar, des trucs de bar. Vous avez le lavabo, vous avez le four et tout des rangements. Et là vous avez le frigo là-bas. Et là vous avez des plantes et un truc de rangement. Voilà pour ceci. Après on a la salle de bain, donc là c'est un peu ça, enfin, petite. Voilà. Donc voilà. Après c'est ma fille qui va vous montrer. Donc là, c'est ma chambre et la salle de ma sœur. Donc là, vous avez un petit fauteuil pour s'asseoir. C'est une couche bébé pour mon frère. Là, il y a mon étagère, son lit, mais vous voyez pas trop. Donc là, vous avez un tapis de jeu. Voilà, pour ma sœur. Là, il y a mon bureau. Avec une mortier. Et là, ma sœur. Je vais vous montrer le lit en sortant. Vous voyez pas. Donc voici le lit, comment il est. Et voici le bébé. Je vais vous le montrer dans ma famille. Voilà. Là, c'est un petit lit fifi, mais bon, c'est pas grave. Il est très joli. Tu l'as rangé. Et je vais vous montrer le lit de la fille en sortant, quand elle est sortie. Donc voilà, il est comme ça, donc il est assez joli. Voilà, donc vous avez un toboggan pour descendre. Et aussi, quand ils sont plus petits, vous pouvez le descendre d'un cran. Attendez, je vais vous montrer, j'arrive. Voilà, vous pouvez le descendre. Voilà, vous pouvez les descendre dans le cran si ils sont tout petits, donc ils sont pas petits, les mots. Il a 14 ans, donc c'est bon, il est grand. Hein. Donc je vais le remettre quand c'était avant. Voilà, donc je vais remettre quand c'était avant. Et si vous pouvez pas mettre le toboggan, mais on va plus faire mal ici. Ça peut se faire mal avec le truc, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est fini la visite. C'est mon père qui va montrer. Donc c'est parti pour le faire. Allez. Donc là vous avez le salon. Donc avec un canapé d'angle. Voilà, avec la télé. Et tous les meubles. Voilà, il y a un petit feu. Pas avoir froid. Là vous avez notre chambre, donc là vous avez un petit truc de magazine. Là vous avez un autre lit qui est très confortable. Donc je vais vous montrer sur la couette. Voilà comment il est. C'est un lit rond. Il est très confortable. Une autre lit actuelle. Très confortable. Là vous avez une petite armoire qui va tomber. Une petite armoire qu'on a pris là, celle-là la verre et tout. Là vous avez une petite caisse. Là vous avez des trucs de rangement, il y en a le champagne et des trucs de rangement. Oh là là, c'est pas possible. Hop. Donc voilà pour la chambre. Donc cette vidéo est terminée. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu.
N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des commentaires et à la partager, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne. Salut!